Bienvenue sur Roté Éternel, en ce ciel Montmardi, 27 février, de l'an de grâce de Men in Black 18. La matinée fut divine, c'était vraiment un beau ciel Montmardi. Après, je me suis réveillé pour aller au yoga, en arrivant en République vers 9h30, il neigeait légèrement, des tout petits flocons, mais avec le soleil sur la tête. C'était puissant. Après le yoga, c'était carrément proche du divin. Comme ça. Après un bon repas chez Tata. Après une bonne sieste. Je me réveille maintenant. Ça doit être vers 7h, 7h et quelques. Je vais retourner chez Tata. Jusqu'à là, c'est un beau ciel Montmardi. Veille de mes 6 ans de chef d'état d'âme. Oh là là. De mes 6 mois, pardon. 48 ans et 6 mois. Parce qu'en fait, vers 2008, j'avais eu le CAP, certificat d'aptitude prophétique. Puis, quelques temps plus tard, j'ai eu le bac, brevet d'aptitude cosmique. Comme ça. Mais tout ça, ça vient de quoi? Ça vient que je suis né à Mont. Donc, j'étais un Meldois de 69, ça veut dire ça. Ça, je mets le doigt partout. C'est comme les machins quantiques. Comme ça. Et j'étais équipé du premier DTPI. C'est sur les bagnoles, tu as des CRI, TDI, non. Le DTPI, ça voulait dire diffuseur temporel de prophéties intuitives. C'était moi quand je devais ramener l'ordre sur Terre. En plus, j'étais né le jour de la fête à Henri IV. Alors, le 28 juin 69. Tu vois. Même si tu peux pas comprendre. C'est pas grave, moi je comprends pour toi l'espace-temps. Ta position dans l'espace-temps. Que c'est la thyroïde que je te dis, le capteur de points moraux. Comme sur les bagnoles. Il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs motorisations. Il y a plusieurs marques. Il y a plusieurs tailles de pneus. Et le but du jeu, c'est que tout le monde roule dans le même sens. C'est ça le code de la route. Tu vois? C'est comme un peu la Bible, ou le Coran, un truc comme ça. C'est pas vrai qu'il y a écrit qu'il faut tuer tout le monde. Je l'ai lu en français. Ou la Torah, les machins comme ça. Il faut comprendre l'esprit du livre. C'est pas matériel, tu vois. Il faut comprendre que tu as un esprit dans le bocal. Comment dire ça? Si, c'est ça. Tu nais au point A, tu meurs au point B, ça c'est la vie de ta viande. Tu nais au point A, tu meurs au point B, c'est l'alpha, l'oméga, c'est tout ce que tu veux. C'est Astérix et Grobélix, et Obélix. Dans l'autre sens, c'est la vie de ton esprit, que tu dois faire monter. C'est ça le but du jeu. Que tu montes en grade pour ta vie d'après, si tu veux. Parce qu'après, toi, tu seras parrain de quelqu'un, toi-même. En quelque sorte. T'as l'ADN du sang, mais t'as aussi l'ADN de l'esprit. C'est comme pour dire l'entité. Les gens, ils ont la carte, mais ils n'ont plus l'entité. Parce qu'on n'apprend rien à l'école. On fait qu'avilir. Le niveau de l'esprit, il est si bas qu'il est temps de le relever. Hein. Vous attendez quoi? Qu'il n'y ait plus d'eau potable pour les gosses? Que tout soit irradié, plein de pesticides, pire que maintenant. Que les poissons, ils sont fluo dans la mer et dans les rivières. Arrêtez, là. C'est comme à Burne. Mais là, c'est la robe de Burne, là. Déchets nucléaires, il n'y a qu'à les envoyer dans l'espace. Puis de toute façon, il faut sortir du nucléaire. Voilà, voilà, voilà. C'est envoyé spatial, de retour de noosphère. Ayou, qu'on est bien quand on dort. Et qu'il fait froid. C'est bon pour l'esprit. C'est pour ça que je me demande si je ne vais pas revenir sur mon rapport. Pour la PMA. Bon, voilà, voilà. On va s'en aller chez Tata. Prendre un petit litron. Parce qu'elle est en sevrage de pinard. C'est sa fille, elle a dit, ah, pas de pinard. Alors, du coup, c'est moi qui le paye avec ma cotorep. C'est sympa. Voilà, voilà, voilà. Mais n'empêche que résistant, et puis c'est tout. Qui ne dit mot consent? Ben vous êtes tous des collabos.
Moi, je râle parce que je sais pourquoi. Parce que moi, je veux la paix sur Terre. Déjà, ça me foutra la paix intérieure. Patch Salut, envoyé spatial pour tout l'éternel. Inch'Allah, Iraï, Mazel Tov, fais tout ce que tu veux. C'est à vous, cognac, j'ai pas. Allez, hop.